Ja, we staan hier na de wedstrijd Heist-Antwerpen ook nog bij Jordan Fauché. Het is ondertussen beginnen regenen, maar dat houdt ons niet tegen om onze topscorer op dit moment nog even te interviewen. Jordan, tu as marqué trois fois aujourd'hui, t'es content? Oui, je suis content de mon match et du match de l'équipe. On s'est pas mis dans les meilleures conditions au début du match en prenant deux buts. Mais on a tout de suite relevé la tête et on a fait preuve de beaucoup de collectif. Et c'est ce qui nous a permis de passer devant et de, je pense, gagner facilement ce match en deuxième mi-temps. Oui, d'abord, c'était 1-0. Après 2-1, tu n'as jamais paniqué aujourd'hui? Non, j'avais confiance en mes partenaires. C'est vrai qu'en plus, on en prend un deuxième but contre son camp de Yannès. On ne peut rien faire, ça peut arriver. Et puis voilà, c'est juste un manque de réussite. Et donc nous, attaquants, on devait rester concentrés sur ce qu'on avait à faire. Et on savait que si l'occasion allait venir, il fallait être encore plus concentré pour la mettre au fond. C'est ce qui s'est passé avec Tano et avec moi après. Donc c'est satisfaisant, c'est très bien. Oui, et pour toi personnellement, tu as marqué 8 fois dans l'été et maintenant 3 fois. Tu te sens mieux qu'à l'année passée ou c'est la même chose? Je sens que j'ai plus de confiance et que après dans ma position sur le terrain, c'est vrai que je suis plus à l'aise parce que je me concentre plus sur les tâches offensives et donc avec plus je suis plus frais sur le terrain et donc c'est plus facile de faire la différence pour moi et surtout je reçois des bons ballons grâce aux joueurs qui sont derrière moi, donc c'est encore plus facile pour un attaquant de marquer dans ces conditions. Oui, tu as aussi vécu la Coupe de Belgique l'année passée, contre Boussedour, c'était pas trop. Qu'est-ce que tu penses de la Coupe cette saison? On va voir, on va prendre les matchs un par un. Là, je pense qu'on va tomber contre une équipe normalement de plus faible niveau que nous. Donc, ce n'est pas des matchs faciles non plus à jouer. Mais on va prendre les matchs un par un. C'est vrai que la Coupe, on peut pas trop voir comment ça va se passer avant. On va les préparer comme n'importe quel match pour gagner. De toute façon, on joue les matchs pour gagner. Et puis, on verra ce qui va se passer. Oui, le Eupen, c'est un possible adversaire. Est-ce que tu espères que ça sera Eupen ou juste pas? Ce serait bien de tomber contre Eupen. Ça permettrait de juger leur niveau pour pouvoir par la suite jouer contre eux après en championnat. Mais bon, n'importe quelle équipe va venir. Nous, on va se préparer comme on doit se préparer pour gagner. Et puis, on jouera ce match à 100%.